Ah, les têtes. Yeah, propose un PE. Très vite, mec. Oh, mec, t'es venu. Eh, pas mal le petit style. Il y a du beau monde ce soir. Viens, je vais te présenter ma bande. Allez, viens. Regardez qui voilà. Tu me présentes pas? Hey, ce mec vient de drifter sur 150. Hey, c'est la nympho du groupe. C'était malade. Oh, il en a laissé de la gomme, crois-moi. Oh, pardon, c'est pas beau. La dernière fois que Spike était autant à fond, c'était... Ah ben non, il est toujours comme ça. C'est pour ça que tu m'aimes. Robin, essaie d'être à la hauteur. T'en fais pas pour lui, c'est un bon. Et justement, je l'emmène voir Travis. Je vais lui demander de bouger quelques caisses pour qu'on puisse bosser. Allez, suis-moi. Salut Amy. Voici Amy. Mignonne, non? Ouais, moi aussi, je t'aime. Travis? Yo! J'ai quelqu'un à te présenter. Ah ouais? Et pourquoi? Oh mec, il faut que tu le vois à l'œuvre. Il a un super coup de volant. Bon. T'as l'air d'avoir tapé dans l'œil de Mister Rodeo. Carrément. C'est un bon, crois-moi. Tu te pointes au bon moment, toi. Y a de super pilotes en ville qui ont envie de marquer l'histoire. T'as un sacré bol, mon vieux. Les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour démarrer un projet. Alors si t'as réellement quelque chose dans le ventre, comme il dit, je te conseille de leur montrer ce que tu vaux. Il baisse les yeux, qu'est-ce que t'as à me regarder? Mets la misère à un de ces guignols. Peut-être que quelqu'un te remarquera, qui sait. La Honda, la Honda. Dans le clan, vieux. Tiens. Très bien, elle est mortelle, hein. Allez, Amy, viens juste l'écouter deux minutes et dis-moi si elle ronronne normalement. Oh. Salut, mec. S'il te plaît, je l'ai garé juste devant. Allez, s'il te plaît. Spike, tu sais, j'ai des clients qui paient des fortunes pour ça. Donc, tu me la joues comme ça, hein. Ouais, c'est comme ça. Attends. Tiens. Waouh!
Alors là, je me sens beaucoup mieux. Oh, je paie toujours, tu sais. C'est ton bien. Père qui paie toujours, mais ouais. Arrête, c'est un cuir à plus de 1000 boules. C'est bien ce que je disais. Tu m'as mis de la graisse. Même au meilleur pilote de Californie, elle fait pas de cadeaux. Sa philosophie, c'est que c'est pas la peine d'essayer si t'as pas de blé. C'est très poétique. En même temps, c'est la vérité, donc. Alors, t'es prêt pour nos rendez-vous? Allez, suis-moi. On a pas mal de monde à te présenter, mon pote. Et si t'as pas de blé, hein? Et rouge. Survécu à deux courses contre Spike alors? Salut. Je t'ai sous-estimé, on dirait. Survécu? Tu rigoles, c'est Spike qui avait du mal à suivre. Ah. Oh, excuse-moi, il avait pas du mal à suivre, il était complètement largué. Si ça te fait plaisir. Ah. Emmanuel! On s'en bat les couilles de oui, on fait des courses. Mais qui a osé? Salut les filles. Eh ben alors, et moi, mec? Allez. Ah, le problème, c'est que ça m'embêterait de briser ta petite carcasse de moineau. Allez, Te fie pas aux apparences, mec. Il est super vif derrière un volant. Moi, c'est Emmanuel. Et ça fait encore trop de syllabes pour ces andouilles. Appelle-moi Manu. Oh, belle poigne. Eh, hey, lui, c'est Fred, le marteau norvégien. Salut, mec. Frédéric. Bon, on va arsouiller en ville ou on belle poêle. Spike. Moi je dis les deux. Excellent, on va manger un bout. J'ai pas assez mangé ce soir. C'est scénario de fatigue. Sérieux, à quoi ça rime? Tu manges trop et Manu rien. Ouais Robin, à ce rythme-là, tu vas nous flinguer tes amortisseurs. Très bien, grand malin. Le dernier arrivé fait l'addition. Non, non, le dernier arrivé invite tout le monde. Hey. Oh putain, y'a pas moyen, je paye. Je vais m'envoyer le plus énorme des burgers. Mauvaise idée, les nazes.
Et mon vieil. Prépare tes billets, Spike. Ouais, Spike. Je vais m'envoyer le plus énorme des burgers. Mauvaise idée, les nazes. Ouais, Spike. Je vais m'envoyer le plus énorme des burgers. Mauvaise idée, les nazes. Les gars, vous prenez rien à plus de 5$, hein? C'est un resto. 5$, c'est le minimum. Et pas de dessert, mec. Je suis pressé de faire une course ce soir. J'aurai l'adresse d'une seconde à l'autre. Oh, pour moi, je pense que ça va se finir en boîte. T'as qu'à venir? Tu rigoles? La soirée fait que commencer, les gars. Et pour moi, c'est course. Moi, je vais rentrer à l'atelier. Tu veux venir voir? Je te ferai un petit peu de place si tu veux. Oh, oh, elle va s'occuper de toi, vieux. Non, j'aime pas ta coupe de cheveux, t'es moche. Ouais, c'est ça, comme je suis jaloux des gens qui roulent à 90. Je vous avais vu Travis ce soir? Ouais, il devait voir quelqu'un. Ben, tu peux pas test. Magnus Walker est de passage. Je l'ai vu discuter avec Travis en boîte. Oh, c'est pour ça que Spike est pressé. Il a le tatouage. Dégueulasse. Ce soir, ça va chauffer. Eh, hey, tu nous feras voir ce que t'as dans le ventre, ok? Ouais, mec. Un bug. Ouf. Oh putain. La Civic, elle va faire un duel à l'épée, les gars.
Putain, c'est dommage, c'était bien parti. Putain, l'épée, elle est partie. Ça m'appelait Lily. Elles sont belles, les jantes. Ah hey. Travis m'a dit que tu bricolais un peu, toi aussi. Stress. Ok. Petite Sylvia. Règle, prends les outils que tu veux. Sérieux. Ta gueule, dégage, fais voir la voiture. À leur place. Pour le reste, l'atelier est tout à toi. Oh, ça, c'est mon dernier caprice. Écoute. Va chez le coiffeur. Ce sera mon plus beau projet. Je le sens bien. Je voudrais que Nakai-san la voie avant qu'il quitte la ville. S'il aime ce que je fais... Putain, le monstre. Ça peut me faire un max de pub, tu sais. Ok, bon, ben, tu sais tout. Je vais y aller. Je dois voir Spike. Oh, la tête. T'es moche. Travis a bougé des